Et nous avons le plaisir d'accueillir sur scène les comédiens Fatma Oussaifi. Mohamed Hussein Graya. Et le réalisateur Youssef Chebbi. Fatma Oussaifi, Youssef Chebbi, Mohamed Hussein Graya. Aslama, bienvenue. Alors Youssef, tu vas passer à la question. On ne peut pas dire que pour un premier long métrage, ce soit... une comédie. Mais on a beaucoup ri à le faire. C'est une vision donc très sombre, très minimaliste de la Tunisie post-révolution. On voit qu'il y a un procès en cours qui implique des policiers. On voit qu'il y a cette histoire d'immolation. Et tu l'as dit avant la projection, ton point de départ, c'était cette cité en construction destinée à des personnes riches qui avaient été abandonnées. Qu'est-ce qui a été le pont entre ces immolations et ce quartier à l'abandon? So for your first feature, this is definitely not a comedy. It's a really dark and minimalist vision of post-revolutionary Tunisia, with trials in the police and immolations and the building of this big complex. Can you tell us more about this? Oui, au début, en fait, il y avait vraiment tout est parti du quartier, tout est parti de ce paysage, de cette ville qui était destinée à devenir une cité à l'image un peu de l'ancien régime, quoi, vraiment dédiée aux notables et aux amis du régime. Et l'histoire un peu de cet échec, une fois que le soulèvement de 2011 a eu lieu, l'échec de cette cité qui s'est arrêté d'un coup, j'étais assez vraiment frappé par le côté ruine moderne en fait de cette ville-là, une ville un peu entre deux, une sorte de fantôme de la ville souhaitée. Donc j'ai passé beaucoup de temps à observer ces immeubles et tout, et je cherchais aussi. J'ai compris que je voulais dans ce décor un peu labyrinthique proposer une enquête. Quelqu'un ou des personnes qui cherchent un motif, qui cherchent quelque chose. Et je cherchais quelque chose qui casse justement avec le côté très froid de ces immeubles, très bétonné, très gris. Et petit à petit, en cherchant, je commençais à lire en fait sur le phénomène de l'immolation en Tunisie, qui est devenu quelque chose de malheureusement assez courant. On se souvient du nom de Mohamed Bouazizi, mais il y a eu des centaines et des centaines d'autres cas jusqu'à aujourd'hui. Et dans cet acte-là, je sentais qu'il y avait bien sûr une dimension politique, mais qu'il y avait aussi quelque chose de très spirituel, voire religieux. Et c'est comme ça, en fait, que ces différents éléments, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire le portrait de ces deux inspecteurs qui cherchent quelque chose qui ne pourront jamais trouver, en fait, parce que justement, ils cherchent dans le réel, mais que c'est quelque chose de beaucoup plus abstrait, beaucoup plus étrange qui se joue. Traduction. It really came from this neighborhood that I heard about that was built for in old regime style for friends of the state, friends of the regime and the high society, in a way, the people who were counting then. But with the uprising of 2011, this project became a failure. And this, I was struck that this was it was stuck in an in-between, like a ghost city. I wanted to inject an investigation in this setting, and to break with the coldness of the concrete. I had the idea of the fire. I investigated this. I researched this phenomenon in Tunisia of immolations that have become
unfortunately commonplace. We know the name of the first one, Mohamed Bouaziz, but there's hundreds of others that have done it since. And so there's a political dimension to this gesture, but I thought there was also a spiritual and religious dimension to it. So I wanted to blend them all together and have those two investigators who are looking for something that they will not find because it's more abstract, it's above them, beyond them. En parlant de ces personnages, justement, on a d'un côté un policier marié, en couple, père de famille, de l'autre côté une policière célibataire, mais en couple avec quelqu'un qui n'assume pas d'être avec une policière. Et dans le casting, tu as pris une figure des comédiens tunisiens, Mohamed Hossein Graya, et puis une jeune actrice, la personne de Fatma Ousseifi. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes choix de casting et de personnages? So you chose to have a policeman who's married and a father in a classic way, and a woman who's in a relationship, but the guy isn't comfortable with being with a cop. And so you chose someone, a seasoned actor for the male part, and a newcomer for the female actor. Can you tell us about your choices in terms of actors and characters? Dès le début de l'écriture, j'ai vraiment pensé à Mohamed et à Fatma, donc j'ai vraiment écrit le film pour eux. Tout de suite, je ne m'imaginais pas d'autres comédiens pour Mohamed et quelqu'un d'autre que Fatma, pour le personnage de Fatma. Avec Mohamed, on a déjà travaillé ensemble sur mon tout premier court-métrage. Fatma, on devait faire un film ensemble qui finalement ne s'est pas fait. Par rapport au personnage, oui, il y avait... Donc c'est un duo un peu improbable. Le personnage de Graya Batal, c'est quelqu'un de un pur produit de l'ancien régime, donc c'est quelqu'un qui a bien sûr traficoté quoi, qui a eu un passé corrompu, mais qui essaye quelque part aussi de se racheter en dénonçant ses collègues. Donc c'est aussi quelqu'un de très terre à terre, je trouve, comme personnage, c'est-à-dire qui suit un peu l'évolution de l'administration, enfin les différentes marches de l'administration. Et Fatma, son personnage est beaucoup plus ouvert et sensible, et c'est pour ça qu'elle nous mène aussi vers cette fin et vers. Enfin, je trouve que le personnage de Fatma à la fin, elle a une figure de témoin un peu. Le film s'arrête sur ça, sur le fait qu'elle assiste à ce miracle ou à cette catastrophe quoi finale. Voilà, c'est un peu ça. C'est deux personnages un peu complémentaires, mais aussi aux antipodes. Yes, well, I thought about them when I was writing. I wrote the parts for them. I couldn't imagine anybody else playing those parts. Mohamed and I had worked together in my first short film, and Fatma and I were supposed to work on a project, but that wasn't made in the end. So yes, this improbable duo is made up of Batal, who's he's a part of the old regime. He has a corrupt past, and he's trying to make amends by denouncing other people. And Fatma is more open and more sensitive, and in a way, she's the figure of the witness, and because she witnesses this final miracle / catastrophe in the end. So they are very complementary while being very different from each other. Fatma, c'est un personnage qui parle très très peu. Comment tu t'es emparé de ce rôle? Qu'est-ce qui a nourri ce personnage? So since you don't have a lot of dialogue, what nourished and your part so that you can embody this character? Alors je pense que j'ai appréhendé ce personnage à travers l'intuition, à travers quelque chose, un outil qui peut se rapprocher de la magie en fait, de croire en la magie. Et de se dire que c'est possible et que ça peut investir les structures les plus cadrées comme la structure de la police par exemple. Voilà, je crois que c'est plus à travers j'ai suivi une intuition. Well, I would say I approached this with my intuition, my instinct, by believing in the magic and the fact that it's possible to transpire even in structures that are very square, like the police. So I followed my intuition. Mohamed, vous qui avez tourné avec beaucoup de personnes, de réalisateurs ou de réalisatrices, comment c'était de travailler avec Youssef et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce film-là?
So you shot with a lot of directors. What made you want to work in this film and with Youssef? How was it? J'ai eu le plaisir de travailler avec Youssef, bien sûr, parce qu'on s'est rencontrés sur son premier court-métrage Vers le Nord. Et dès qu'il m'a parlé du scénario, ça m'a touché vraiment, parce qu'à la fin, Batal, c'est à la fois le simple citoyen qui est le combustible de ce système, de ce système bâtard qui n'est pas nouveau, qui est tiraillé entre l'ancien régime et cette volonté d'un nouveau système qui veut pousser. Et à la fois, il est le représentant du pouvoir qui ne se trouve pas ni dans son boulot ni dans sa famille. C'est le combustible, quoi, à la fin. Et donc j'ai aimé le scénario, et on a fait beaucoup plus qu'on a vu, et je suis vraiment surpris et je suis content de travailler avec Youssef. Well, it was a joy because I had worked with Youssef on his first short, and so I was immediately moved when he sent the script to me, because this character is a simple citizen who's caught in this in-between stage that's torn between the old and the new system, and he's also a representative of this power or this powerlessness that he has within the police and within his family as well. And so he's a catalyst in the end. Et on a eu, au moment des révolutions partout dans le monde arabe, beaucoup de films qui sont venus sur le mouvement d'insurrection, de révolution, de révolte. Là, c'est presque dans les premiers films qui nous parle un peu de l'échec, de l'après-révolution, que ce n'est pas toujours un monde enchanté. Est-ce que tu avais l'impression de porter une responsabilité à faire un film qui dépeint cette situation? So, with the Arab revolutions, a lot of films were made about the uprising, but yours is one of the first to show the failure of the post-revolution era. So that everything is not perfect in this new world. Did you feel like you had a responsibility in this new movement? Une responsabilité, oui, parce que après, je ne sais pas si j'ai vraiment voulu l'affronter, mais c'est vrai qu'il y a cette question-là, c'est-à-dire de se saisir d'un sujet vraiment national, mais qui aussi dépasse de loin la Tunisie. Mais moi, j'ai vraiment toujours voulu faire une fiction avant tout. Que la révolution aussi, comme la religion, comme le feu, deviennent des emprunts, en fait, des motifs de la Tunisie contemporaine ou de l'histoire récente de la Tunisie, et de respecter ces éléments-là, mais aussi d'essayer de voir un peu ce qui les entoure, ne pas les travailler frontalement et aller tirer aussi de la fiction, du fantastique, du mystère, voilà, du mystique dans ces motifs-là. Ce qui m'intéresse plus par rapport à je trouve que voilà, ce quartier est déjà assez, enfin, il ancre assez, je trouve, quelque part, cet échec aussi, parce que finalement cette ville va se construire, et puis les inégalités qui étaient promises, en fait, au moment où Ben Ali et son clan imaginaient cette ville, vont aussi se reproduire. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi de filmer cette ville dans cet état-là et de voir aussi ce qu'elle va devenir dans quelques années. Yes, a responsibility for sure, by tackling a topic of national interest, but also that crosses borders, of course. But I wanted to make a fiction film above all, with the motifs of revolution, the religion, and the fire. They are motifs of Tunisia's recent history, but I wanted to draw fiction and fantasy and mystery and the mystical from that. It all came from this neighborhood, because it grounds this failure of this idea, this ideal, where the inequalities would persist. And this will end up being built, and those inequalities will persist. And I'm interested in in finding out, well, what this neighborhood will become. Je suppose qu'il y a des questions ou des réactions dans la salle. Oui, une main se lève ici. Quatrième rang. Allô ?
Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous... Alors, en fait, vous êtes où? Voilà, ok, d'accord. Après, ce sera là. Pardon, on ne vous avait pas vu. Bonsoir. Est-ce que ce serait possible d'avoir une explication concernant le titre du film? Could you explain the title of the film, please? Ashkal. Oui. Ashkal, en arabe, ça veut dire les formes et les motifs. Et donc, au début, pour moi, ça rapporte plus au volet architectural quoi, du film, au côté architectural du film. Où en fait cette architecture non finie devient aussi très abstraite, très labyrinthique, où on se perd un peu comme le personnage de Fatma à un moment quand elle est entourée comme ça de formes architecturales. Et donc voilà, c'est vraiment, ça vient de là, ça veut dire les formes, les motifs. Well, it's Arabic for shapes or patterns. It was referring more to the architectural side of the film, with this unfinished building, with those unfinished buildings that make it very abstract and labyrinth-looking, in which Fatma loses herself when she's surrounded by all the structures. Ici. Bonsoir. Bonsoir, Tahar. Salut. On se connaît depuis longtemps, Youssef, et je me doutais bien que je serais très agréablement surpris, mais pas à ce point-là. Ah, parce que vraiment, je trouve que c'est un grand film que nous avons vu ce soir. D'abord, pour l'ampleur de la vision politique que tu rends de ce qui se passe en Tunisie maintenant, depuis, et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, je ne vais pas m'attarder. Ce qui m'a aussi beaucoup, et je voudrais justement à cette occasion te poser la question, surpris au-delà de ce que j'attendais, c'est l'heureux mariage que tu as fait entre justement cette vision politique et les formes cinématographiques que tu as utilisées. Parce que c'est un film qui commence comme la fin de Allemagne et Zéro et qui finit comme une série. Et en passant par Hitchcock, Antonioni, on voit, quand on connaît le cinéma, des choses extrêmement importantes, mobilisées, enfin je veux dire toute une histoire du cinéma, et qui est d'autant plus étonnante, ainsi travaillée de façon tout à fait simple et naturelle, et pas du tout ostentatoire ni exhibitionniste, que précisément elle arrive à dire quelque chose de très très important par rapport, et de très complexe par rapport à ce qui se passe en Tunisie. Est-ce que quand tu as écrit cette histoire, tu avais penser à utiliser ou à te appuyer dans la culture, dans ta culture cinématographique que je connais, autant de références et de faire ce survol-là de l'histoire du cinéma. Les références. Alors, we've known each other for a long time, and I knew I would be pleasantly surprised by your film, but maybe not to the extent that I was. This is a truly great film, thanks to your ample vision of Tunisia. It feels like there's this association of the political vision and the form, the cinematic form, which goes from Allemagne et Zéro to a TV series and to Hitchcock and Antonioni influences, not in a demonstrative way. But did you have all those in influences and references in mind? Oui, je pense que c'est aussi un film. C'est un film de cinéphile, je dirais. C'est vraiment un film aussi avec François, mon co-auteur. On s'est aussi réunis autour d'un amour vraiment pour le cinéma, une cinéphilie très forte. Je pense aussi cette vraiment envie de faire un film de genre, un film de fiction qui s'assume en tant que tel et qui ose un peu cette forme-là, mais tout en restant très attaché à des motifs vraiment de la Tunisie, sans non plus trop pousser dedans, justement, comme tu dis, cette ville étrange, le motif de l'immolation. Mais c'est vrai que l'envie était,
était vraiment de se lancer dans un film qui assume aussi son imaginaire, qui ne s'oblige pas à être réaliste et qui ne prend pas la réalité comme limite, mais qui essaye de prendre un pas en recul en fait par rapport à la réalité pour que d'autres motifs puissent apparaître, pour que d'autres niveaux puissent apparaître. Voilà. En tout cas, bravo. Merci. Yes, this is a cinephile's film, if I may say. My co-writer and I, François, we met around our love of cinema, and we wanted to make this genre fiction that would be proud of itself, that wouldn't hide it with a daring form, but also attached to Tunisian motifs. We had this desire to launch into a film that would leave a good space for imagery, that would not have a realistic tone that would limit it. We wanted to take a step back from reality to make more levels appear, more layers. Il y avait une dernière intervention là-bas. Oui, bonjour, merci pour votre film. Je viens de vous découvrir en tant que réalisateur. Bon, l'acteur principal, il a tourné dans de très nombreux films en Tunisie, je le connais depuis longtemps. Et j'aimerais revenir sur l'actrice que j'ai découverte, que je ne connaissais pas. Vous l'avez, c'est son premier film, elle a fait d'autres choses avant. Vous l'avez castée comment? Enfin, voilà. C'est le premier, oui, le premier long. Eh ben, ça promet donc. La traduction, pardon. I already knew you, Mohamed, and from your previous films, but I didn't know you, Fatma. So, how did you come into the project? Shall I speak English? No. Okay. En fait, on s'est rencontrés, comme disait Youssef, on s'est rencontrés sur un autre projet qui n'a pas abouti. Et ensuite, on s'est liés d'amitié. Et par la suite, il m'a envoyé ce scénario que j'ai trouvé surprenant, que j'ai trouvé hautement féministe, par ailleurs. Vu que bon, je suis le seul personnage le féminin du film, je pense que ça mérite une petite attention par rapport au fait que je trouve que le personnage féminin du film est très est vraiment mis en valeur par rapport à une féminité qui n'est pas habituelle. Il n'est ni stigmatisé, ce n'est pas une victime, c'est pas non plus mis en valeur d'une manière classique. Donc je trouve que c'est assez réussi. Et voilà, je me rappelais plus l'autre part de la question. Oui, voilà. Et puis c'était un premier long métrage, tout à fait. As we said, we met on a previous project that was in development but didn't go through. And when Youssef sent me the script, I was really astonished. I thought it was a highly also a feministic film because the way it highlights the femininity in this character is quite unusual and new. And so I was interested in that, and it was a first feature for me. Merci Mohamed Hussein Graya, Youssef Chebbi et Fatma Oussaifi. Merci. Merci beaucoup. Merci.